Salutations, voyageurs venus d'ailleurs. Nous nous retrouvons sur la planète Eudora. Eh oui, eh oui. Et sans plus tarder, nous nous rendons par là. On va aller voir par là, vu qu'il y a un truc à crocheter, on va se servir de notre nouveau outil. Mine de rien, on fait les planètes dans le bon sens, hein. Jusqu'à maintenant. À voir combien de temps ça va durer hein, quand on les fait dans le bon sens. Enfin, quoique, dans le bon sens, ça aurait été qu'on n'ait pas besoin de revenir sur la planète où il y a l'agent. Mais au final, on va être obligé de retourner sur la planète où il y a l'agent. Et c'est bien dommage. Attends. Comment on va là-bas? C'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé comment on y va. J'oublie parfois que j'ai que j'ai des outils quoi. Oh, j'ai un peu flippé là. C'est moi ou les murs bougent un peu? Ah ouais ouais, ils bougent bien, regardez. Vous les voyez bouger quand même hein. Ouais. Ouais, c'est visible de fou hein. On va dire que ça c'est de la faute à l'émulateur hein. Y a même pas le son du truc quoi. C'est bizarre de pas avoir le son du boulon qui tourne. Ok, ça va, on est large. Bon, par contre là. Ouais, on est large aussi. On va refaire la même ici, on va attendre qu'il y ait que ce soit moi en haut et lui qui est en bas. Oula, j'ai sauté d'un peu loin, mais ça passe quand même. Ça va, en vrai, on progresse bien pour le coup. Ok, on avait encore le finger. Et on peut faire demi-tour du coup là? Si on le désire? Ouais, on peut. Je vois pas pourquoi, mais on peut. Crocheteur. Ouais, du coup, c'est là. Et c'est de là. Attends. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai eu un doute à un moment, mais... On va faire exploser tout ça. Les héros ne regardent jamais les explosions. N'oubliez jamais. Ne regardez jamais les explosions. Ah, salut, toi. Super impressionné! Il semblerait en effet. Il s'est fait popo dessus, quoi. C'est quand même un fils de lâche. Hein. Votre emploi actuel vous laisse un goût amer dans la bouche? Alors rejoignez-nous à STB, la station de recherche tactique Blarg. Bonjour, je suis le président suprême Drake. Et à STB, nous avons besoin de personnes vraiment motivées pour occuper les postes suivants: testeur de glissobot. Technicien de montage de givre. Éleveur d'animaux mutants. Oh putain, je me souviens de lui, hein. C'est un boss qu'on affronte, il me semble. Assistant administratif. Après, peut-être pas. Hein. Peut-être que j'ai un doute. Construisez des armes tout en construisant votre avenir. J'appelle STB dès aujourd'hui. Ouais, pas sûr, hein. Assez parlé. C'est quand même. Dis donc, tu as vu tous les super gadgets qu'ils fabriquent? Si on allait se servir? Il faut continuer à chercher le capitaine Quark. Ouais, tu as tout à fait raison. Je sais. Ok, d'accord, il faut trouver Quark. Mais quand ce sera fait, ce serait bien de pouvoir lui dire où se trouve le président Drake. En effet. Bon, allez, en avant. On va aller voir les scientifiques de la station spatiale. Ils travaillent pour Drake. Ils doivent bien savoir où il se cache. Je ne serai pas si affirmatif. Oh, tu réfléchis trop, tête de boulon. Allez, on y va.
En vrai, on va finir cette planète, hein. On va pas partir alors qu'il nous reste des trucs à faire. Hein. On va pas aller à la station Blarg tout de suite. Hein. Mais je disais justement, ça doit être un métier où, où le taux de mort excède les 50%, quoi. Genre testeur de glissade, ou quand tu te rates, tu meurs, quoi. Ah, ça arrête d'exploser, c'est dommage. Gant de ravageur. Oh, c'est les... Ouais, je vois ce que c'est. C'est des petits robots qui nous aident en combat. J'aime bien en vrai ça. Dans le 2, c'était l'une de mes armes que j'utilisais le plus. Ok, c'est possiblement par là. Par contre, il n'y a aucun moyen d'y aller, je crois. Du coup, j'imagine qu'il faut débloquer un moyen d'y aller. Oh non! Non, on s'en sort bien en vrai. On les humilie. Comment on fait? Comment on fait pour y aller? Alors, il y a un pont, mais comment on fait pour baisser le pont? Tant de questions qui sont pour... Bah, je suis bête. Mon dieu, il y a un gros truc avec un boulon, je me pose pas de questions, quoi. Je l'avais littéralement pas vu, quoi. Ça va, ça arrive à tout le monde, hein. J'interdis de me juger. Verboten, interdiction. C'est par là? Non, c'est pas par là. Mais il y a sûrement un truc secret par là. Ouais, ou pas. Oh bah de l'argent, bah ça me va, moi j'aime bien l'argent. Y'a rien au-dessus? Non, y'a rien. Bon, c'est pas terrible hein, comme endroit secret. J'aurais préféré un vrai truc de valeur. Ok. Ça va, c'est pas dur. Non, il sue. Ils ne font pas le poids face à moi, le grand Ratchet et son compagnon Clank, bien sûr. C'est un peu Ratchet et Scie, quoi. Pas le fait. C'est assez chill hein, comme musique d'ambiance. Alors littéralement, c'est pas une planète agressive, quoi. Ça se voit qu'on est là pour le fun. Ah, je l'avais pas vu, je me suis fait toucher comme un bleu. Oh, nice! Qu'y a-t-il par là? Un genou, vent dominable. Le mode ralenti du PC, quoi. Aïe. Ça, c'est dommage, ça. C'est dommage de se faire toucher comme un idiot. Il me semble qu'il y en avait un autre là-bas. Ouais, il y en avait un autre. Y'a rien là? Ah, c'est dommage.
Donne-moi l'argent. J'ai bientôt assez pour les robots là. Ah, ça c'est dommage aussi. Ça va servir un peu plus du pistolet. Hein. Aïe aïe aïe, je suis mauvais. De l'œil, il me laisse tranquille quoi. Hop, on se rapproche. Voilà, le jeu est facile hein, quand on joue comme une pute. Bizarrement. Ouais, c'est bien par là. Du coup, on va faire demi-tour pour voir s'il n'y a pas des trucs cachés là-bas. On ne veut rien rater, bien sûr. Ça me fait triper en vrai les murs qui changent de forme. Regardez-moi ça. J'espère que ça se voit sur la vidéo. Mais c'est incroyable comme truc. Ah mais j'avais pas vu, mais il y a des trucs au-dessus. Comment on fait pour y aller en haut? Voyons voir. Bah là il me semble. Ça passe là. Bah, apparemment non. Ouais, c'est juste que j'ai mal sauté la première fois. À moi l'argent. Des montagnes de boulons. Parfait, je suis riche. Aïe aïe aïe, ça c'est dommage ça. Je suis trop près et du coup il tire. Voilà, parfait. J'arrive pas à sauter. C'est terrible. C'est bien parce que là ça remonte tout seul alors que le premier il descendait juste. Enfin, il descendait pas quoi. Oh, heureusement il était juste grand, il avait pas de vie quoi. Il faudrait que je refais le remaster pour voir à quoi. Il me semble que cette planète, j'en ai aucun souvenir dans le remaster. Ok, il y a un truc secret là. Enfin, secret entre guillemets. Y'a pas un truc là? Non. Non, y'a rien. Ok. Je pensais qu'il y avait un truc juste là. Ouais, y'a un truc, mais on peut pas y aller, ok. C'est bien avec leur hache, c'est juste des bûcherons en fait. Hein. C'est pas des guerriers quoi, c'est des bûcherons. Pour le coup, Aridia, elle est assez tranquille comme planète. Hein. Genre zéro menace. Ok, c'est là-bas. Ah, je suis mauvais. Mon mauvais. Ouais, il a tiré à côté, quoi. Voilà. Bon, il a disparu comme un caca. Bon.
Alors là, ils sont trois là. À partir du moment où tu mets plusieurs fois le même ennemi, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut quand même dire qu'il est mauvais. Hein. Quand t'es obligé d'en mettre trois pour que ce soit une menace. L'aspiro canon gadgetron peut aspirer plusieurs ennemis. Ah ouais, je me souviens de cette arme. Attention, pour entrer dans le canon, les ennemis ne doivent pas être trop grands. C'est pas une arme que j'aime bien, ça. Pour le coup, moi, ma préférée, c'est celle-là. Hein. C'est la Vanilla, quoi. C'est juste un pistolet. Pas fait exprès. Il y a encore des missions ici ? Non, il n'y a plus de mission. Parfait, on va pouvoir partir dans le plus grand des calmes. Bon, j'ai eu un peu peur parce que j'avais un peu sauté de travers. Ouais, j'avais peur là aussi que le vaisseau, je me le prenne dans la gueule, quoi. D'ailleurs, on va s'acheter la nouvelle arme. Le ravageur. J'espère que c'est celui auquel je pense. Bon, on va tester sur la prochaine planète. Ah, gourée de touche. En avant. Wait. Wait, clank. On n'a pas le time. Nebula. Ça, hein. Ouais, c'est Nebula. Allez, let's go. Let's go sur Nebula. D'ailleurs, j'espère que vous aimez le format de Ratchet & Clank. 20 minutes par vidéo. C'est un nouveau format pour moi. On verra. On verra comment c'est reçu. Et voilà, on est bien. Allez, viens, Clank. On va casser... On va tout casser. Oh. Ok, j'ai l'impression qu'on a deux chemins pour aller au même endroit. Deux chemins pour aller au même endroit, du coup on va aller par là. Crocheteur. Non, pas Swinger, Crocheteur. Ok, il y en a. Ah, ça va être chiant ça. Ok, il y en a deux. Comme ça, ça me paraît bien. Et là... Alors, attends. Peut-être comme ça. Celle-là. Ok, et ça. Bah non. Pour l'instant on s'en fout, on va le mettre. On va placer celui-là là pour voir. Ok, du coup on déplace ça comme ça. Ok, bah ça va. 20 000 de QI bien sûr. C'était une énigme à 20 000 de QI. Oh merde, j'ai cliqué un peu trop vite. Rejoindre Ratchet. Non, 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 vas-y, on va y aller. Alors, les missions avec Clank, c'est les pires, hein, en général. D'après un sondage de Au Secours, de moi. D'après moi, quoi.
Non, c'est pas... c'est bon. Vous avez rien vu. Je me sens pas à l'aise. Hein. C'est la panique. La panique d'un homme. Potote. Potote dans la bouche. On fait ça dans le bon ordre. Pour éviter les mauvaises surprises. Y'a rien ici. Y'a que des boulons. Ok. Bon, au final, ça aurait pas été très grave de le rater, quoi. Clank dispose de sa propre super glissade. Saute, et une fois en l'air, maintient de nouveau la touche croix enfoncée pour glisser. Non, mais c'est bon, c'est l'hélicoptère, en gros. Bah, de base, c'est lui qui l'a, hein, déjà. Alors, Ratchet, il a pas d'hélicoptère sur la tête, hein. On se fait beaucoup toucher avec Clank. Hein. Faut faire gaffe parce qu'il est pas immortel. Oh mais nice, on peut monter là. Alors attention, on prend bien notre temps. Alors attends. Ça va où là? Ça va nulle part, parfait. Et là-bas en face, ça va quelque part ou ça va nulle part aussi? Ça va, le mode ralenti de mon PC, quoi. Oula. Alors, c'est pas du tout un mode ralenti, c'est juste que mon PC est tellement bon que il rame sur un jeu PS2. Ah, le boulon en or, on l'a vu. Hein. On l'a vu, mais on va pas aller le chercher parce que ça sert à rien. En fait, les boulons en or sont utiles que si tu les ramasses tous. Hein. Ok, ça va. Pour le moment, on s'en sort bien. Ah merde, j'ai vu un gros lézard. Salut mon pote. La bagarre. Aïe, ça pique. Ah nice. Nice. Ah bah c'est la mort. Bah bref, je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Où nous allons nous venger de ce lézard totalement infâme et... totalement infâme. C'est un lézard totalement infâme, bien sûr. Au revoir. Et à très bientôt pour la suite de Ratchet.